Salut à tous les amis, c'est GamerPro, on continue aujourd'hui la liste des voitures que j'aimerais dans Gran Turismo 4. Aujourd'hui on s'intéresse à la marque Aston Martin. C'est parti pour la vidéo, on va classer les voitures comme d'habitude des plus anciennes aux plus nouvelles. Et on va, après avoir fait les voitures de série, on va s'intéresser aux voitures de collection. La première voiture de cette liste, c'est donc la DB4 GT Zagato de 1961. Une voiture qui a été présentée à Londres et qui a été conçue par Aston Martin justement pour concurrencer les Ferrari de l'époque. Donc sa carrosserie a été complètement allégée et elle fait maintenant 325 chevaux. Elle peut entièrement prendre sa place dans le showroom de collection de Gran Turismo 7. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sa carrosserie a même été allégée comparée à la DB4 Zagato classique. Deuxième voiture légendaire, la Aston Martin DB5, qui est dans le fameux film James Bond très populaire. Donc celle-ci, elle a déjà été confirmée dans Gran Turismo 7, donc je ne veux pas m'étendre sur le sujet. On verra ses performances et ses caractéristiques directement dans le jeu. Troisième voiture, on avance dans la liste. La Aston Martin AMV8 Vantage de 1984, celle-ci c'est assez un bolide parce qu'elle fait 384 chevaux, elle fait penser un petit peu à une ligne de Mustang. Et pour la petite anecdote, la dénomination Vantage a été ajoutée depuis la DB4 que on a vu juste avant. Et donc du coup, moi j'aimerais bien avoir cette AMV8 parce que déjà j'adore sa carrosserie et puis en plus, elle rivalise avec les Mustang. Et avec un 385 chevaux, c'est quand même assez puissant. Prochaine voiture, la Aston Martin Vantage Le Mans V600 de 1999. Celle-ci, elle fait 550 chevaux pour 1970 kg. Elle est très rapide et c'est une voiture qui est là depuis Gran Turismo 2. Donc du coup, elle a un petit peu sa légende dans Gran Turismo et même carrément sa légende dans le sport automobile tout court. Regardez juste cette ligne qui est monstrueuse. Ensuite, la Aston Martin DB7 Vantage Coupé des années 2000. Elle fait 420 chevaux et plutôt légère pour une Aston Martin. Elle est très très performante. Regardez aussi la carrosserie de la voiture qui est tout juste splendide. J'aimerais bien cette voiture, surtout qu'elle a son historique dans Gran Turismo parce qu'elle est elle aussi présente depuis Gran Turismo 2. Donc j'aimerais bien voir revenir cette voiture dans Gran Turismo 7. Comment ne pas évoquer la Aston Martin Vanquish S de 2004. 459 chevaux sous le capot pour 1835 kg. Une vraie bête de course. En plus, j'adore la carrosserie des années 2004. Regardez, c'est un réel monstre. Elle est hyper imposante. Et celle-ci est là par contre depuis Gran Turismo 4 ou Gran Turismo 3. Mais en tout cas, elle a tout à fait sa place dans un Gran Turismo. Et j'aimerais bien qu'elle retourne sur le jeu. En plus, l'intérieur de cette voiture est juste fantastique. Encore des voitures présentes dans d'anciens Gran Turismo. La Aston Martin DB9 Coupé de 2006. Donc 449 chevaux pour 1710 kg. Elle est quand même plus performante que la Vanquish, mine de rien, parce qu'elle pèse un petit peu moins lourd. En réalité, elle a plutôt les mêmes performances, vu que la Vanquish a 10 chevaux de plus. Cette version de la Aston Martin était présente dans la version 2004 dans Gran Turismo 4, sauf que j'ai choisi plutôt la version de 2006, car elle était entièrement modélisée, même l'intérieur, dans Gran Turismo 6, et donc ça sera plus facile de l'ajouter dans Gran Turismo 7. On avance plutôt bien et on monte en gamme de performance. La Aston Martin V12 Vantage de 2010, 509 chevaux, elle est énorme ici, 1680 kg, donc plutôt légère. Celle-ci, elle était présente dans Gran Turismo 6 et peut-être même dans Gran Turismo 5. Elle était entièrement modélisée, donc on a de très très grosses chances de la voir apparaître dans Gran Turismo 7, que ce soit à la sortie en Day One ou en Update. En tout cas, cette voiture, je la préfère à la V8 Vantage qu'on a, et vu qu'elle est plus performante et qu'elle a une carrosserie, pardon, un peu plus agressive et qui fait un peu plus sportif que la V8, j'aimerais bien la voir dans le jeu. Pour continuer, petite voiture, la Aston Martin Singer de 2011, elle fait 98 chevaux, donc pas très rapide. Vous me direz quel intérêt d'ajouter cette voiture, déjà premièrement pour des championnats de voitures situés entre 64 et 150 chevaux, il y en a toujours dans Gran Turismo. Voilà, des petites voitures assez sympathiques, mais aussi parce qu'on peut transformer cette voiture en version plus rapide. Donc il y a une version V8 qui a été conçue par Aston Martin qui fait 485 chevaux. Voilà, cette version plus sportive apparaît juste sous vos yeux, donc elle a été conçue spécialement par Aston Martin. Et on peut se dire qu'une version à 425 chevaux, vu le poids de la voiture et le gabarit de la voiture, ça peut être très sympa à conduire. Et justement, j'aimerais bien que ce kit soit présent
avec la voiture tout simplement de 98 chevaux. Donc on pourrait tout simplement aller customiser la voiture et la rendre dans cet état. Beaucoup plus moderne, on progresse dans les époques, la Aston Martin Vantage F1 édition de 2017 qui fait 535 chevaux, rien que ça. Elle a un gabarit monstrueux et c'est une voiture assez légendaire justement parce qu'elle continue et elle prolonge la gamme des Vantage. Et elle est présente dans maintenant beaucoup de jeux vidéo, donc du coup, elle a sa place dans Gran Turismo, sachant que c'est une voiture très agréable à conduire sur circuit et qui a sa propre version de course en GTE. Un petit peu plus puissante, la Aston Martin Vanquish S de 2017, elle fait 603 chevaux et est légèrement plus lourde que la Vantage, mais elle a un rapport poids-puissance beaucoup plus important. J'aimerais bien qu'on ajoute déjà la Vantage de 2004 et donc du coup j'aimerais bien qu'on ajoute la Vanquish de 2017 qui est magnifique à l'œil. En tout cas, regardez cette voiture, elle est juste splendide et c'est l'une de mes préférées de la gamme Aston Martin. La Aston Martin Rapid AMR avec un moteur 6 litres V12 de 2018, elle fait 600 chevaux et j'aime bien parce qu'elle peut concourir avec des berlines. Donc on a tous en tête les BMW, les Audi, etc. En tout cas, moi j'adore la ligne de la voiture. Je la trouve juste splendide, donc j'aimerais bien la conduire sur circuit dans Gran Turismo, ce fameux jeu légendaire. Tout juste rayonnante, la Aston Martin DBS Superleggera de 2018. C'est un monstre en termes de puissance, elle peut même concourir avec des voitures d'hypercar comme des Ferrari, etc. Elle fait 725 chevaux, donc elle est hyper rapide, un petit peu lourde, normale vu la carrosserie de la voiture. C'est un petit peu un mélange entre la DB11 et la Vanquish S, et en tout cas moi j'adore cette voiture et j'aimerais bien, c'est une priorité pour moi dans un Gran Turismo 7. On est sur des rapports poids-puissance un petit peu équivalents à la Superleggera, mais on peut aussi parler de la Aston Martin DBS GT Zagato de 2019. Elle a un look assez différent avec ses phares arrière qui font beaucoup penser à la DB4 Zagato, mais en tout cas elle a un design assez particulier et pourquoi pas aussi rajouter cette voiture dans le jeu. On passe maintenant aux voitures de course triées par année. Je l'adore pour son look mais aussi pour son historique, la Aston Martin Ulster de 1935, elle fait entre 80 et 85 chevaux et on sait déjà d'après le trailer du State of Play et des trailers de Gran Turismo 7 qu'on aura des voitures légendaires comme ça qui auront un petit peu le même design et celle-ci je la trouve vraiment hyper sympathique et j'aimerais beaucoup la conduire en vue antérieure et pourquoi pas le Graal avec un casque VR. Et ensuite, l'une des toutes premières DBS, la Aston Martin DBS V8 GTP Race Car de 1970. Ça serait top d'avoir cette voiture, notamment parce que c'est une voiture un petit peu de collection. Le nom DBS a été tiré de la fameuse DB4 qu'on a vue juste avant. Et j'aimerais beaucoup déjà rouler avec ces voitures, notamment parce qu'on a des circuits historiques, comme le circuit du Mans, par exemple. On a parlé tout à l'heure de la V8 Vantage, et j'aimerais beaucoup sa version sportive, qui est tout juste monstrueuse et très agréable à regarder. La Aston Martin V8 RHAM Race Car de 1977. Cette voiture a gagné de nombreuses compétitions et remporté de nombreuses courses. C'est, comme je vous ai dit, la concurrente de la Mustang côté Ford, même dans les voitures de course, et j'aimerais beaucoup rouler avec cette voiture dans divers circuits. L'historique de l'automobile se souvient sûrement de la Aston Martin AMR1 qui fait partie de la catégorie des groupes C et qui a été conçue en 1989 pour le championnat justement des groupes C. On a beaucoup de groupes C dans Gran Turismo et donc autant étoffer la catégorie et la gamme avec cette Aston Martin qui a d'ailleurs jamais été dans aucun Gran Turismo. C'est un prototype de 590 chevaux qui nous a été fait par Aston Martin. La Aston Martin DB7 V12 Vantage Race Car prototype des années 2000. J'aimerais beaucoup avoir cette voiture, notamment parce qu'on a eu des voitures de la même catégorie dans d'anciens Gran Turismo. On se rappelle bien sûr de la Viper Team Oreca qui est dans cette catégorie. Et regardez juste la ligne de cette DB7 en version sportive, ça donne vraiment envie de rouler avec. On l'a croisé dans pas mal de jeux de course, notamment dans les Forza Motorsport, ou plutôt dans Motorsport 4. La Aston Martin DBR1 de 2009, donc on a pas mal de voitures comme ça qu'on pourrait ajouter dans la catégorie LMP1. Et en Aston Martin, ça serait fantastique de l'avoir. Regardez, rien que d'y penser,
de conduire cette voiture dans un Gran Turismo, ça me donne une hype vraiment folle. On modernise un petit peu plus le jeu avec la Aston Martin V12 Vantage GTE de 2016. Donc on a déjà la Aston Martin GT3 de 2013, mais moi j'aimerais bien qu'il rajoute cette version de 2016 et en GTE, parce que je la trouve notamment beaucoup plus jolie à regarder. Elle a des kits aéro qui sont beaucoup plus imposants, et franchement, conduire cette voiture en piste, j'adorerais, et je la préfère même à sa version GT3, comme je vous l'ai dit, et pour moi c'est l'une des voitures que je veux voir absolument dans Gran Turismo 7. Là, on entre dans les voitures les plus récentes, la Aston Martin Vantage GTE de 2018. J'aimerais beaucoup vraiment cette voiture, notamment parce que c'est l'une des plus modernes et qu'elle est dans les derniers jeux de course. Donc, pourquoi pas Gran Turismo? En tout cas, c'est vrai que si on a cette voiture dans un Gran Turismo, ça serait vraiment un argument pour moderniser le jeu. Elle est aussi présente dans sa version GT3 depuis 2020, mais moi j'aimerais bien qu'on rajoute tout simplement la version GTE directement, parce qu'elle est beaucoup plus imposante que la version GT3. Encore une fois, regardez, elle est tout juste magnifique et participe aux dernières compétitions. Il y a beaucoup de voitures de course qu'on pourrait rajouter dans un Gran Turismo, mais celle-là c'est l'une des priorités parce qu'elle marquerait le retour des DTM dans Gran Turismo. C'est la Vantage DTM de 2019. Donc c'est une livrée, cette voiture elle a été conduite par Jack Dennis, donc du coup le pilote, et on est sur une livrée très très basique. Donc en tout cas, j'aime beaucoup cette voiture, et comme je vous dis, vu que ça marquerait le retour des DTM, c'est pour moi une priorité. C'est juste un monstre, elle pourrait même se confronter à des GT500 comme on l'a vu dans de nombreuses courses DTM vs GT500, notamment sur le circuit de Suzuka. La Aston Martin Vulcan, on l'a notamment dans Gran Turismo Sport, donc elle sera notamment dans Gran Turismo 7 dans sa version classique. Moi j'aimerais bien qu'il rajoute la version AMR Pro de 2019, donc c'est une voiture qui s'apparente plus à une race car, et j'aimerais bien qu'il la rajoute par exemple à une catégorie comme la catégorie GR3 ou encore une autre catégorie si Polyphony décide de nous en créer une, mais en tout cas elle peut se confronter à pas mal de voitures de course. On va terminer cette vidéo par deux prototypes, le Valkyrie AMR Pro et la Vanquish Vision Concept. Donc la Vanquish Vision Concept, elle a été confirmée pour Gran Turismo 7. Et j'aimerais bien donc du coup qu'il rajoute ces voitures, ça rajouterait un petit peu des voitures un petit peu futuristes à la gamme. Pourquoi pas? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et même à mettre un commentaire si j'ai oublié des voitures dans la gamme Aston Martin qui vous plairaient. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos si vous le voulez. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. A plus les amis.